Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale. Mais avant de commencer le tirage, je souhaitais vous donner une prédiction, on va dire, que j'ai ressentie. Pourquoi? Parce que ce que j'ai ressenti avant, voilà, avant de commencer la vidéo, c'est de ne pas vous inquiéter. Alors bien sûr, ça peut concerner aujourd'hui, le jour où la vidéo sera mise en ligne. Mais ça peut concerner un autre jour parce que il est possible qu'il va se passer quelque chose d'inattendu. Alors quand on parle de quelque chose d'inattendu, on peut dans sa tête avoir quelques exemples. Mais comme vous savez, qui dit inattendu dit surprise, bonne ou mauvaise. Mais ça peut être une mauvaise surprise qui au final se transformera en une bonne surprise. Quelque chose qui va se passer, puis au final, ben, tant heureusement qu'il y a eu ça, parce qu'il n'y aura pas eu cette situation, il n'y aura pas eu ce qui se passerait ensuite. Allez, maintenant, pardon, et eh bien, sans plus attendre, commençons le tirage. Et je tenais de nouveau à vous remercier pour vos abonnements, pour vos pouces, pour vos commentaires. Et surtout, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez. Une guidance personnalisée, une consultation ou un soin, allez, je vous invite à aller dans la description sous la vidéo. Vous aurez les différentes possibilités pour me contacter. Alors, on nous parle de clarté. Alors, moi, c'est comme si, regardez cet œil. Moi, c'est comme si qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous voit, qui vous observe. Mais, on va dire que cette personne vous observe d'un œil. Et ce que je ressens, c'est je t'observe, mais je fais comme si que je fais mine de rien. Je fais de façon discrète. Je t'observe, mais je ne t'observe pas. Je t'observe sans t'observer. En fait, je t'observe, mais sans que tu t'en rendes compte. Ensuite, on nous parle d'intuition. Peut-être que des fois, des fois, vous ressentez, parce que des fois, ça peut arriver où on sent qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui nous suit, on ressent qu'on est observé, on ressent des choses. Et là, peut-être que vous remarquez, vous avez l'impression, vous ne savez pas de quelle façon, si c'est sur les réseaux sociaux, si c'est quand vous êtes à l'extérieur, mais que de façon générale, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Vous l'avez, comme si que vous l'avez toujours su, bon, bien sûr, pas depuis. Des années, mais depuis un certain temps, vous le ressentez ça. Ensuite, qu'est-ce qui va y avoir? On parle d'une personne du passé. Cette personne qui vous observe nous parle de communication de messages. Alors, il est possible que cette personne, lorsqu'elle va vous contacter ou vous recontacter, eh bien, vous allez, sans qu'elle vous dise clairement que oui, ça fait un moment qu'elle vous observe, elle va vous poser des questions. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ceci? Alors, comment va un tel? Alors, qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Vous voyez, on va dire que cette personne va vous poser des questions que vous allez vous demander, mais comment elle le sait? Elle m'observe ou quoi? Mais bien sûr, elle ne vous le dira pas clairement. C'est-à-dire, elle ne vous le dira pas, ça ne veut rien dire. Mais en fait, peut-être que justement, la façon. Parce que là, finalement, elle va vous dire, faire croire que non. Mais ça ne veut rien dire. Pour moi, il y a cette notion que ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, eh bien, cette personne va de toute façon finir par vous l'avouer. Oui, en effet, ça fait un moment que je t'observe sur Facebook, etc. Et en même temps, j'ai un peu enquêté. Il m'est arrivé de prendre de tes nouvelles, mais via certaines personnes. Après, c'est possible qu'en effet, dans votre entourage, il y a très peu de personnes qui connaissent votre vie privée et que les gens qui en savent sur votre vie privée,
C'est exactement ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire très peu vous concernant. Mais une personne qui veut en savoir, qui veut avoir des nouvelles, qui veut savoir avoir des informations concernant une personne en particulier, qui va enquêter, entre guillemets, eh bien, va réussir à avoir des informations. Elle va tout faire pour avoir, même si ce n'est pas les informations dont elle l'aurait voulu avoir, mais elle ne veut pas, on va dire, repartir sans rien. Voilà. Ensuite, elle ne veut pas, moi ce que je ressens, c'est qu'elle ne veut pas s'avouer vaincue. Après, on nous parle également d'une personne qui va vous faire savoir, qui va vous faire comprendre qu'elle aimerait, voilà, ce serait bien qu'on se revoie, mais elle va pas vous le dire clairement. Pourquoi? Parce que si elle vous dit de façon claire et nette, j'aimerais trop qu'on se revoie, ça serait trop bien qu'on se revoie, eh bien, elle a peur que vous allez mettre fin à la conversation et que peut-être vous allez la bloquer, cette personne, que ce soit par message, que ce soit par exemple sur Messenger ou autre. Mais en tout cas, elle va vous dire clairement, pas que je veux dire clairement. Elle va vous faire comprendre. Et vous, cette intuition, ça va être, mais en fait, me dit, j'ai l'impression que tu veux qu'on se voit, parce qu'en fait, finalement, vous allez comme on dit, lui tirer vers du nez et vous allez finir par, en effet, eh bien, lui faire voir cet homme ou cette femme qu'elle souhaite vous revoir. Même si peut-être que vous n'avez pas spécialement, dans un premier temps, envie de revoir cette personne. Bon, qu'elle ait pris de vos nouvelles, qu'elle vous recontacte, ça va, bon, c'est bien, mais peut-être pas de là à ce que vous revoyez. Et justement, peut-être que vous, comment dire, vous ne pensiez pas que cette personne, en fait, son but, le fait de vous reparler, comme ça, par message, sur Messenger ou autre, eh bien que c'était pour vous revoir. Parce que moi ce que je ressens, c'est qu'elle s'est dit, je vais lui parler, lui envoyer le message, et puis s'il me répond, voilà, je vais discuter avec je vais lui envoyer un message, on va discuter, et si la discussion se passe bien, eh bien je vais lui faire comprendre que j'aimerais le revoir, que j'aimerais la revoir. Allez, ensuite. Là, on nous parle de personnes célibataires, mais il est possible, attention, mais ça ne parlera pas à tout le monde, mais je le ressens, que vous êtes en relation, même s'il n'y a rien de concret, mais que vous êtes en relation avec une personne, ou peut-être que vous êtes en relation concrète avec la personne, mais sans vivre avec la personne, quoique ça peut arriver, que une tierce personne va recontacter votre copain, votre mari, ou la personne avec qui vous aimeriez, avec qui vous êtes en train de faire évoluer la relation. Après, ça ne veut pas dire que votre copain, votre mari, ou celui avec qui il y a de l'avancement, tout simplement celui avec qui que vous avez dans le viseur, hein, comme on dit, que vous avez en vue. Ça ne veut pas dire qu'il se passera quelque chose avec cette tierce personne. Vous voyez, forcément, on nous parle de conversation, alors, communication, message, conversation, j'ai envie de dire, c'est logique. Mais vous voyez, cette personne, j'ai l'impression que ça va commencer par le message, ensuite, vous allez vous appeler. Après, je dis cet homme, mais ça peut être une femme, hein. Ça peut être vous par exemple, en tant que femme, qu'il y a un homme qui vous observe, c'est-à-dire qui vous surveille, et qui aimerait vous revoir, qui va vous faire comprendre qu'il aimerait beaucoup vous revoir, même si il sait que vous n'avez pas envie de le revoir. Et peut-être qu'il va vous dire, bon, je sais que tu veux. T'as plus envie de me revoir, mais moi ça me fait plaisir qu'on se revoie une dernière fois.
Et pour ça, il y aura les messages, vous allez vous appeler, et tant que cette personne va se dire, ben, ce serait pas mieux qu'on. Ce sera pas mieux, ou alors elle va clairement vous dire, ben, ce serait mieux de se parler en vrai, au lieu de se parler au téléphone. Et vous voyez, dans cette façon de le dire, c'est parce qu'elle voudra vous revoir, et du coup, vous allez dire, même si ça peut être dit de façon. Toute simple, ou alors via une question, ce serait pas mieux de se parler en vrai, en fait, parce que là, voilà, on parle au téléphone, mais pourquoi on se parlerait pas, mais en vrai, en face à face, enfin, pas en tête à tête, mais pourquoi on se parlerait pas, mais pas dire en visio, mais comme ça, on va dire en présentiel, parce que maintenant il y a ce mot-là qui est sorti depuis les confinements, mais pourquoi on ne se parlerait pas en vrai, en réel, vous voyez, de visu, et que ben justement, vous, ça va vous étonner, parce que vous ne pensiez pas que personne voudrait comme ça vous revoir, surtout peut-être qu'en plus il sera tard, parce qu'on l'a peut-être déjà dit que des fois, il y en a pour qui il y aura des retrouvailles, mais le soir, et le soir, c'est pas forcément à 21 h, ça peut être à 23 h, vous voyez, voire minuit. Ensuite, eh bien, on a le labyrinthe. Pourquoi? Parce que forcément, vous, ça va vous étonner, et vous ne vous attendiez pas à ce que cette personne ait envie. En plus, ça va vous faire comprendre, comme je disais, que le but des messages, le but d'avoir repris contact avec vous, c'était pour voir si si le courant va passer de nouveau. Hein, quand je dis le courant passe, c'est de façon amicale. Mais pourquoi pas, peut-être pour cette personne, que ce soit de façon, on va dire plus personnelle, plus rapprochée. Mais en tout cas, le but de toute façon de cette personne, en plus, peut-être que vous allez, elle va vous le dire directement, ou elle va vous faire comprendre, c'était. De vous revoir tout simplement. Mais vous, comme je disais, à la base, vous n'avez pas prévu. Déjà, c'est bien, vous au contact, vous êtes parlé, c'est bien. Mais se revoir, dans quel intérêt? Eh bien, parce que peut-être que cette personne a des choses qu'elle souhaite vous dire, mais qu'elle ne peut pas vous dire au téléphone, elle aimerait. Et je pense que ça fera partie de la conversation, le fait qu'elle a des choses à vous dire, mais. Elle ne peut pas vous le dire comme ça au téléphone, elle préférerait vous le dire en vrai, et bah c'est dommage. Ouais, peut-être qu'elle va vous dire, voilà, c'est une personne, mais c'est dommage. Je pense qu'en plus, je pense que tu habites loin, enfin, je ne sais plus trop où tu habites, et vous avez remarqué, en fait, personne va remarquer qu'en fait, vous n'habitez pas si loin de l'autre, et que bah, du coup, on peut se voir ce soir. Du coup, vous voyez, peut-être que cette personne qui à la base pensait que vous habitiez à 4-5 heures de route, mais là de savoir qu'il y a juste une demi-heure par exemple en voiture, tant qu'à faire, on n'a qu'à se voir ce soir. Vous voyez, mais voilà, il y a beaucoup cette notion de soirée. Et vous, ben, forcément, vous allez hésiter. Puis au final, vous allez dire ben, pourquoi pas. Ensuite, là, je vous montre, voilà. Hop, il y a deux cartes qui clôtureront, j'ai envie de dire, ce tirage. Je nous parle de transformation. En tout cas, là, il y aura un nouveau départ dans une relation existante, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que, alors qu'à la base, et c'est pour ça qu'au début de la vidéo, il y avait cette notion d'inattendu, et qu'au final, ben, heureusement, vous voyez, que personne, peut-être, va insister de façon gentille. Hein, pour vous voir, et heureusement, parce que du coup ça vous permettra vous de savoir certaines choses, peut-être pas des choses dans laquelle vous auriez aimé savoir, dans laquelle vous posez des questions, mais heureusement que tu as insisté, parce que du coup ça me permet de savoir certaines choses que tu m'as dit, hein, sinon jamais je les aurais su. Et pour finir, comme je disais, je ne suis pas prêt.
Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête à quoi? Ben, à ce que cette personne va vous dire. Ça peut être une déclaration d'amour, mais ça, peut-être que vous allez vous dire, ben non, c'est impossible. Moi, j'ai une personne en tête, ou j'ai une personne en tête, mais on se parle régulièrement, on se parle tous les jours, et je sais que ce n'est pas cette personne. Mais encore une fois, vous ne vous attendez pas à qui déjà va reprendre contact avec vous et qui va vouloir justement vous revoir. Parce que cette personne qui va vous recontacter, ah bah tiens, ça fait bien longtemps. Et forcément, ça va vous intriguer de savoir bah, pourquoi est-ce que cette personne vous recontacte. Parce que le premier message, vous pourriez faire croire que cette personne, que ce soit sur le Messenger par exemple, pourrait faire croire, si cette personne vous dit salut, tu te souviens de moi, etc., et faire croire que vous ne vous souvenez plus de cette personne, ou alors faire croire que cette personne se trompe parce que lui faire croire que vous ressemblez comme deux gouttes d'eau à la personne que cette personne recherche, ou alors par message, faire croire que vous n'êtes pas la personne. Ou désolé, non, je ne vous connais pas, vous avez trompé de numéro. Ouais. Vous pourriez faire ça, ou alors ne pas répondre, tout simplement. Mais qu'en même temps, vous, ce qui va vous titiller, on va dire, c'est de savoir pourquoi cette personne vous recontacte. Alors, je vais vous parler de déclarations d'amour, mais il y aura des aveux qui vous seront dites par cette personne. Voilà pour cette guidance sentimentale. Je vous remercie de nouveau pour votre présence. Je vous souhaite une excellente journée. Et surtout, comme je disais au début de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Peu importe l'imprévu qui se passera aujourd'hui, de toute façon, même un imprévu, ben en fait, c'était prévu par l'univers. Mais c'est juste que l'univers, pour vous perturber, pour... comment dire, vous sortir de votre zone de confort, de votre routine, de votre train-train quotidien, eh bien, va vous bousculer un petit peu, va vous, comment dire, vous voyez, comme si que d'un seul coup, il y aura un petit tremblement de terre, mais ça va être en vous, dans votre mental. Parce que l'univers va vous sortir de votre zone de confort et que l'un des moyens, c'est de créer des imprévus, de mettre en place des imprévus qui étaient déjà prévus par l'univers. Alors ne vous inquiétez pas, s'il se passe quelque chose, si vous devez annuler, par exemple, un rendez-vous, un déplacement ou je ne sais quoi, ne vous inquiétez pas, parce que tout va bien se passer. Passez une bonne journée, une bonne soirée, prenez bien soin de vous, de ce que vous aimez, et je vous dis à bientôt.